pour ça, pour faire une réponse synthétique, c'est pire. C'est pire parce que voilà, il y a une offre qui est bien supérieure à l'ECOP, une offre de groupe. Alors ça va dans quelque chose de positif, c'est-à-dire que les gens font de la musique, donc ils expriment une culture, c'est intéressant, il y a des dynamiques artistiques. Mais justement, avec le développement de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, finalement, du coup, entre un groupe qui potentiellement fait 5000 albums vendus et un groupe qui sort du lycée avant-hier et qui fait, tu vois, et qui monte un Facebook, un Bandcamp et puis voilà, qui a une jolie pochette, bon, pour le commun des mortels, c'est impossible de voir la différence, quoi. Mmh. Et s'il faut, le groupe, il est complètement nul sur scène, mais en effet, c'est super bien produit, etc., etc. Ou alors, voilà, ils ont trois concerts derrière eux, et pas 150, ou pas 500 ou 600 comme nous. Et du coup, c'est dur de s'y retrouver, parce que, évidemment, tous ces gens ont bien le droit de monter sur scène. Mmh. Il y a plus de possibilités. Internet, voilà, c'est que des portes ouvertes, tout est à vue. Donc je pense qu'il y a une surenchère, et du coup, voilà, une boulimie, les gens sont comme étouffés par l'offre qu'il y a sans s'en rendre compte, en fait. Moi-même, je m'en rends compte des fois en tant que spectateur, je suis presque triste de me dire « Ah bon, ils ont sorti un album, eux ?» Mais ouais, depuis 5 mois. Merde, je suis fan du groupe, je suis même pas au courant. Ouais. Tu vois, je suis passé à côté. Et puis je passe à côté, et des fois, le même groupe, au bout d'un an, je suis là « Ah, mais j'ai toujours pas écouté !» Et il y a tellement de choses à écouter. Au bout d'un moment, parce qu'on a des vies de 24 heures, des journées de 24 heures et des vies à peu près normales, on peut pas, et ça devient justement trop dur. Et par exemple, ce groupe que j'ai pas écouté, par exemple, je suis pas allé acheter son album, alors que je possède chez moi tous ces albums. Ouais. Donc je suis l'élément, par exemple, je suis le connard pour eux, parce que du coup, je suis la perte sèche au niveau de leur vente d'albums. Je ne suis pas allé les voir quand c'était à Toulouse. Ah bon, ils sont passés? Mais oui, ah merde, j'étais pas au courant. Comment tu fais pour pas être au courant? Bah, c'est très simple, parce que je reçois près de 54 invitations pour chaque jour, bon, en exagérant évidemment. Donc voilà, tout est un peu plus compliqué, et surtout je vois que la norme se resserre quand même, je trouve beaucoup. Psycup, au vu de ce qui s'est passé pour nous en 98, mais c'est impossible aujourd'hui. Mais ça ne s'aimait vraiment. Quand j'en ai ce qu'on faisait, en plus au niveau où on le faisait, tu réécoutes live, franchement. Bon, évidemment que c'est frais, c'est sympa, mais je peux t'en trouver des trucs pas bien, et je suis le premier à dire que ce que je faisais moi au chant, c'était pas bien, hein, c'est pas pour dire les copains et tout, hein, c'est moi. Du coup, je me dis, putain, malgré tout, tu vois, j'étais un chanteur pas d'un niveau exceptionnel. Aujourd'hui, il y a des chanteurs qui ont mon âge à l'époque, qui ont un niveau, qui ont 3 fois mon niveau, qui galèrent 50 fois plus, alors que moi, ce qui m'est arrivé, c'est fabuleux, ce qui nous est arrivé, c'est fabuleux, ça ne se reproduit pas, je ne sais pas, c'est pas possible. Les normes sont tellement comme ça, c'est très 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 difficile. Et je pense surtout, ce qui me fait peur, et je me l'applique aussi à moi-même, c'est que les gens s'interdisent des choses aussi, et c'est très inconscient, justement par peur de ne pas être dans la norme, mais tout ça n'est pas dit, tout ça est inconscient. Le métal aujourd'hui, pour moi, franchement, c'est assez catastrophique, quoi. Voilà. Oui, bah, ce qui se fait en France, c'est quand même assez catastrophique. J'écoute heureusement certaines choses, et il y en a toujours, mais voilà, ça fait un peu vieux quand même ce que je veux dire, mais tant pis. Mais je dirais proportionnellement, en fait, vu le nombre de choses qu'il y a, tu vois, et même des potes à moi qui font du metalcore à la Killswitch Engage de 99, tu vois, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Putain, mais limite, je connais les mecs qui le font, je dis, mais faites autre chose, quoi. Enfin, et bien est-il. Voilà, évidemment qu'il y a des groupes, évidemment qu'il y a des groupes cool, quoi. C'est pas, c'est pas pour dire que Psycup est au-dessus, hein, quand je dis ça. C'est juste pour dire que putain, c'est le même moule dans beaucoup de trucs. Alors pareil, le rock aujourd'hui, c'est plus du rock, c'est le tropical, etc. C'est tout est comme ça, et les choses qui sont un peu à la marge, surtout dans le rock, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça devient catastrophiquement difficile, quoi. Et alors qu'à l'époque, un concert de Noise, voilà, allez, quoi, 5 euros, je sais pas quoi, ou 10 euros, tu pouvais faire 180-200 personnes. Aujourd'hui, non, tu fais 46, t'es déjà content, quoi. Et voilà,
Or, notre ville fait, je sais pas, 600 000 personnes, 700 000 avec la couronne urbaine. Je sais pas, c'est un truc de fou. Et tu te dis, putain, on fait une musique qui rassemble 46 personnes. Je parle de on, tu vois, dans ce truc-là. Et parce que tout est comme ça. Je veux dire, la radio, faut pas se leurrer, c'est quand même mais encore plus qu'avant, quoi. Voilà, j'avais pas un discours super positif par rapport à tout ça à l'époque. Je pense que mon discours est encore moins positif aujourd'hui. Tu m'as déprimé. Hein. Ouais, je suis désolé. Pour remonter sur ce truc positif, je pense que peut-être que la solution, c'est ça qu'on a fait à l'époque, en fait, c'est de garder la foi. Pour prendre les paroles du chanteur connu qui chantait La Porte du Vide, c'est la chanson française. Garder la foi au sens. Ne pas cérébraliser du tout, en fait, l'après, quoi. Tu fais le truc et tant pis. Parce que, c'est-à-dire que si tu es dans une logique de réflexion sur tout ça, c'est un nid à frustration, c'est un nid à emmerde, à moins que tu travailles avec quelqu'un, t'es avec le manager de Metallica, et là, t'inquiète que moi, je m'inclinerai. Je serai là, ok, vas-y, mec, viens, on répète, dis-nous, écoute. Moi, je me joue dans un stade, ça me ferait mal, mais un stade, n'entends pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Tu vois ce que si on peut vivre des choses différentes, voilà. Oui, bien sûr. Évidemment, je suis plus content s'il y a 1000 personnes à mon concert que 100. Il faut arrêter de faire la culture de la loose, la culture française, de l'indé. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans cette dynamique-là, il faut se recentrer sur qu'est-ce que tu as besoin de faire sortir, toi. Pourquoi tu fais de la musique? Qu'est-ce que tu fous là, en fait? Qu'est-ce que tu fous avec ta guitare? Qu'est-ce que tu fous avec ton micro? Ça sert à quoi, tout ça? Et si tu trouves la réponse en toi et que tu fais vraiment sortir le truc, j'ose penser que ça va toucher les gens, en fait. Et je le pense vraiment foncièrement. Mais que inconsciemment, la plupart d'entre nous, et peut-être moi le premier des fois, on l'oublie ça, et qu'on va penser à d'autres choses. Toutes ces choses-là sont des choses parasites. Le plus important, c'est ça. C'est le lien direct entre les tripes et le micro. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Après, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est ça. Hein. C'est qu'on n'est pas. On n'a vraiment pas dévié de la ligne, qu'on s'était fixé, et de toujours faire ce qu'on veut, comme on veut. Et c'est ce qui fait qu'on a du respect encore aujourd'hui, contrairement à plein de groupes que je ne distrais pas. Ah, ça, c'est qui ont dévié vers des voies pas très reluisantes, pour tenter des coups, et qui se sont encore plus fait laminer la gueule derrière, et qui en plus ont perdu le respect du peu de fans qu'ils avaient. C'est horrible. Ah, donc oui. Moi, je suis super content que de pouvoir rejouer des morceaux d'il y a 15 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, et que les mecs puissent te dire, au moins, respect, ça n'a pas pris. Hein, ça. Voilà. Et ça, pour moi, c'est primordial. Les artistes que je respecte en plus, la plupart, enfin même tous, c'est vraiment ces gens-là, la plupart, qui est cette sorte d'amour de la musique, et je le fais parce que vraiment j'ai envie de le faire, et pas parce que je sais que ça va vendre plus, etc. Après, il y a des groupes que j'écoute aussi qui sont calibrés, calculés, etc., qui me parlent quand même. Mm-hmm. C'est pas la question, mais c'est vrai que moi, en tant qu'artiste, j'adore cette idée. On a toujours, et c'est vraiment en plus, c'est un truc qu'on a eu naturellement, c'est même pas on a forcé ça pour faire les malins. On en avait vraiment rien à foutre quand je repense au plan que j'ai écrit sur Will of Yule, pour ne citer que celui-là. Enfin, vraiment. Enfin, et que en plus, c'est dit on y va. Pas pensé à Chérie FM. Voilà, c'est sûr, et c'est fou, quoi. Tu te dis, mais c'est fou. Moi, ça me. Je trouve ça génial. Enfin, je trouve ça génial. La liberté qu'on s'est autorisé, vraiment. Cette sorte de liberté de pensée qui est folle. Et qui, en plus, c'est suicidaire. Tu te dis, on arrivait quand même à vendre des albums et à mettre des gens dans des salles avec ça. C'est quoi ce Nail Bomb, l'album Proud to Commit? Génial cet album. J'adore ce genre de truc. Moi, j'adore les mecs qui n'ont rien à foutre. Voilà, j'adore ça. Mais il y a d'autres groupes que je respecte aussi. Moi, je suis fan de U2, quoi. Et après, U2, c'est des gens dans leur artistique. Si on écoute les albums vraiment très attentivement, il y a toujours une recherche de prod, une recherche de compo, une recherche d'autre chose, d'apporter quelque chose de neuf. Il y a des tubes plus calibrés, etc. Mais il y a toujours cette recherche tout le temps. Le dernier, c'est encore pire que tout. C'est un cas à part. C'est des vrais icônes aussi. Mais le dernier album, par exemple, c'est pour moi, il y a un single qu'ils ont essayé de sortir, puis le reste, vraiment, tu veux dire que c'est moins bien qu'avant? Mais c'est pareil pour pas mal de groupes. C'est pas moins bien qu'avant. Moi, j'adore l'album. Mais c'est juste qu'il n'y a pas du tout une. Ils veulent pas faire 20 tubes sur l'album, quoi. Après, au service en son, parce que moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de grands groupes, beaucoup de grandes références comme ça aujourd'hui. Je trouve que notamment, tu prends Les Cure, par exemple.
Oui. Les Cure, il y avait, bon, les années 80, c'était un peu la décennie à tube, c'était tubesque en fait, c'était des machines, des trucs très simples, des effets très simples, et ça envoyait l'efficacité suprême, super originale. C'est vrai qu'après, bon, début des années 90, ça commençait déjà à être, bon, on va dire, un peu moins single. Et puis dans les années 2000, en fait, ils ont continué à sortir des albums de temps en temps, mais bon, des trucs, on va dire... Ils avaient perdu en fait ce qui avait fait. Ils avaient été touchés par la grâce sur quelques albums. Je pense que c'est aussi des choses qui te dépassent quand t'es vraiment jeune, quand t'es vraiment frais. Tu sais, ça te dépasse dans le sens où tu n'as pas cherché à provoquer ça en fait. Ouais, hein. C'est ça. Il y a De Palma récemment qui a dit, pour parler ciné, il y a De Palma récemment qui a dit que pour lui, un réalisateur, il fait ses meilleurs films entre 30 et 40 ans. Tu vois, ça se vérifie souvent d'ailleurs, que ces mecs-là en vieillissant, au bout d'un moment, n'arrivent plus au niveau qu'ils avaient. Voilà, si tu regardes la carrière de Palma, effectivement, entre 30 et 40 berges, il a fait des trucs. Mais même après, pour moi aussi, hein, lui, il estime que. Ça se vérifie pas tout le temps, il y a encore des mecs aujourd'hui qui font. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une fraîcheur et une envie et un côté un peu désengagé de certaines choses qui font que oui, peut-être on a plus de. On a une grâce qui nous tombe dessus, effectivement. Mais Cure, ils ont fait Blood Flowers quand même. Non mais après c'est pas ça s'applique pas tout le temps, tous les quatre. Voilà. Mais c'est vrai que oui, la fraîcheur, de toute façon. En plus c'est ce que les gens recherchent, mais pour moi la fraîcheur c'est pas forcément là, je sais où les gens se plantent. Parce qu'aujourd'hui il y a une culture du jeunisme un peu pompeuse, un peu chiante, mais dans le cinéma aussi, il y a des stars, ça a 45 ans, c'est va te faire enculer. Heureusement qu'il y a eu des mecs comme Tarantino à l'époque qui sont allés chercher des vieilles gloires un peu, pour montrer qu'il y avait des mecs, voilà, il a ressuscité Travolta par exemple. Mais tu te dis, cette culture de il faut vraiment que les mecs aient 18 ans et qu'il y ait des idées qui leur sortent du nez quand t'appuies, au bout d'un moment c'est chiant parce que la fraîcheur c'est pas forcément la jeunesse, il y a aussi une fraîcheur dans la tête. Il y a des mecs très vieux qui ont fait des trucs incroyables, regarde Kubrick, voire Lanciné, mais même à l'époque, même en musique, il y a des mecs aujourd'hui qui tombent des trucs. Voilà, il faut pas. Ça m'ouvre un peu ce côté, il faut que les mecs aient tous 12 ans là. Il y a eu le baby rock là, à un moment donné, là, qui était insupportable. Et je pense que c'est surtout dans la tête que ça compte de rester vraiment dans une optique de. Voilà, après le physique, il faut que le physique suive. Si t'es trop démonté la gueule, non, ça suit plus, mais nous on est quand même tous assez sains. Je me rends compte qu'on peut remonter sur une scène aujourd'hui. Quasiment straight, moi. Après, Vida, peut-être qu'il va crever ce soir. Vraiment, je le dis. Je suis vraiment pas certain qu'il fasse le concert. J'ai peur de l'AVC sur le. C'est pas vrai, il fait des exos tous les jours et il prend un citron, il m'a dit. Après, Vida, c'est le seul au monde qui considère qu'il vaut mieux boire que manger. Donc ça, c'est. Il a une théorie là-dessus. Plus vieux en buvant quand même. Après, quand tu démarres une carrière. Plus de merde dans la bouffe que dans les. Quand tu démarres une carrière en tant qu'artiste, par exemple, le succès qui tombe sur la gueule, t'es pas encore, parce que tu démarres, tu n'es pas encore raccroché de fait, puisque c'est ton premier album, on va dire, et que tu découvres un petit peu, t'es pas encore raccroché à la logique consumériste, tu vois, de la production en fait qui t'impose quelque part quand t'es rentré dans le système, c'est un peu ça. Le prochain album c'est dans 2 ans, tu vois, c'est cyclique comme ça, et moi je suis quasiment certain qu'on n'est pas forcément artiste toute sa vie, c'est-à-dire ça peut être aussi des périodes comme ça dans l'existence. C'est pour ça que tu quittes la logique de la production en fait. C'est-à-dire que tu confonds en fait. On finit par te faire croire, si t'as pas une logique, si t'as pas du recul par rapport à ça, on te fait imaginer que tu seras productif et tu diras des choses intéressantes toute ta vie. C'est faux. Il y a des artistes qui sont créatifs pendant 2 albums et qui après n'ont plus rien à dire parce qu'ils ont tout simplement tout sorti et que la voie dans laquelle ils sont engagés, elle a été exploitée jusqu'au bout en fait. Et si à partir de ce moment-là tu comprends pas qu'il faut t'arrêter, tu fais un 3e album à la con et là en essayant de te raccrocher parce que finalement, voilà, c'est ça le piège. Hein. C'est pour ça que si par exemple. Un groupe s'arrête pendant 10 ans, admettons, parce qu'il n'a plus rien à dire, et qu'au bout de 10 ans, il revient avec un album qui tue, même si entre-temps, il sera fait oublier, effectivement, et plus le temps avance, plus c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas grave, à la rigueur, moi, je suis plus pour ça, et prendre du recul par rapport à ça. Voilà, faut pas tomber dans ce panneau.